Bienvenue tout le monde à ma préparation pour le retour, c'est GM! Fait que là, je commence ici avec une routine de tanning parce que tout le monde, je veux être très bronzé au retour de l'école. Donc, m'assurer que je suis bien exfolié, j'utilise mon Saint-Yves pour que le résultat soit le meilleur. Et puis là, je vais utiliser mon Sugar Baby qui est mon auto-bronzer préféré dans le moment. Et je vais l'utiliser la première journée, donc je fais une application très parfaite. Je veux vraiment pas avoir aucune ligne, je veux que le résultat ça soit magnifique au retour de l'école pour avoir l'air le plus bronzé possible. Et après ça, je vais utiliser ici mon Quick Tan qui est un spray tan en fait. Je vais l'utiliser la deuxième journée qui va donner encore plus un boost à mon bronzage et un effet encore plus brun que j'adore. Par la suite, ici, je vais faire une coupe de cheveux deux jours avant pour être sûr que ma coupe soit fraîchement faite pour le début de l'école et que mes cheveux soient sublimes. Ici, après ça, je vais aller magasiner mes fournitures scolaires et j'ai vraiment choisi des magasins qui étaient de façon le plus abordable possible. Donc, chez Dollarama et chez Walmart. Vraiment, tous des produits à comme 1$. Ici, j'ai trouvé des cahiers full colorés, full brillants pour me donner comme un boost pour continuer à l'école. Et après, ici, j'ai trouvé comme c'est comme un genre de cartable à reliure où il y a comme plein de compartiments dedans. Fait que pour mon organisation de mes cours, c'est super. J'ai trouvé comme trois sortes que je trouvais vraiment cute avec full de compartiments. Vraiment nice. Après ça, ici, bon, c'est sur des surplus de pousse-mine avec des mines, bien sûr, que j'ai acheté chez Walmart. Après ça ici, ces crayons que j'ai trouvé trop cute parce qu'ils étaient tout full colorés. Et aussi les gommes à effacer qui venaient avec. Bon, les crayons, c'est sûr, l'encre qu'on ne manque jamais. Et une efface comme ça, je trouvais ça hot, le petit étui de l'efface. Et sans oublier de la coller du liquid paper pour les erreurs. Après ça ici, on passe au brushing que je fais faire la veille toujours. Parce que le lendemain, j'ai juste à faire des petites retouches et mes cheveux sont sublimement faits par une professionnelle. Et ici, c'est le soin nuit, tout le monde. Je me fais un masque purifiant pour être sûr que ma peau soit parfaite le lendemain pour le make-up. Et après ça, une bonne nuit de sommeil, c'est ce qu'il y a de plus réparateur pour être prêt à la rentrée scolaire. Bonne rentrée tout le monde!